Bienvenue, chers spectateurs, sur la chaîne dédiée à Demain nous appartient. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les intrigues palpitantes qui secouent nos personnages préférés. Nous allons décortiquer un extrait récent qui laisse entrevoir des rebondissements inattendus. La question cruciale à laquelle nous allons tenter de répondre, Gabriel a-t-il orchestré toute cette situation dès le début? Restez avec nous pour explorer les méandres complexes de l'amour et de la trahison dans cette série captivante. Et si, dès le début, Gabriel avait orchestré la manipulation de Soraya dans le seul but de causer à Noor toute la souffrance qu'elle lui avait infligée? C'est du moins ce que suggère un récent extrait de Demain nous appartient, révélé par TF1. Les méandres de l'amour peuvent parfois réserver des surprises dans Demain nous appartient. Au début de leur relation, Gabriel et Soraya vivent leur histoire d'amour en toute discrétion, soucieux d'éviter tout regard, en particulier celui de Noor. Il est vrai que la jeune infirmière a du mal à se remettre de sa séparation avec Gabriel, et les voir ensemble serait trop douloureux pour elle. Cependant, comme c'est souvent le cas dans Demain nous appartient, les mystères ne demeurent pas dissimulés bien longtemps. En effet, Noor a récemment découvert ce que sa sœur lui cachait depuis plusieurs semaines. C'est une véritable claque pour la jeune femme qui éprouve beaucoup de difficultés à accepter cette trahison. Ignorant que Noor est au courant, Gabriel et Soraya continuent, quant à eux, de vivre sur leur petit nuage. Bien que leurs sentiments l'un envers l'autre semblent authentiques et stables, les événements pourraient toutefois prendre un tournant inattendu au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Et si, en réalité, Gabriel avait manœuvré dès le départ pour manipuler Soraya dans le seul but de faire endurer à Noor tout le mal qu'elle lui avait causé lorsqu'ils étaient ensemble? Dans un nouvel extrait accessible sur la plateforme MyTF1, Soraya et Gabriel déambulent main dans la main sur le port lorsqu'ils croisent Noor. Dans une atmosphère tendue, Soraya s'empresse de présenter ses excuses à sa petite sœur. « Je suis dans une situation où je ne sais même pas comment m'exprimer, tellement je me sens minable et honteuse. Je t'ai trahi, Noor. En tant que ta petite sœur, je n'avais pas le droit de te faire ça, lui avoue-t-elle. » Incapable de trouver les mots pour solliciter le pardon, Soraya se tourne alors vers Gabriel, implorant du regard son assistance. À la surprise générale, Gabriel ne défend pas sa relation avec Soraya, mais au contraire, il se lance dans une déclaration passionnée envers Noor. « La vérité, c'est que j'étais tellement en colère quand j'ai appris pour toi et Vince que je voulais te faire du mal. Je voulais que tu souffres autant que moi j'ai souffert. Soraya, c'était juste pour ça en fait. Pour que tu aies mal, explique-t-il avant de poursuivre, Noor, je t'aime depuis toujours et tu le sais ça. Alors s'il te plaît, laisse-moi une chance parce que je suis persuadé qu'on pourrait être heureux tous les deux. » Connaissant le rêve de Noor d'entendre ces mots depuis longtemps, il se pourrait que cela ne soit qu'un songe de la jeune femme. Alors, est-ce un rêve ou la réalité? À suivre dans Demain nous appartient. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur notre analyse de Demain nous appartient. Les tensions sont à leur comble, et les révélations ne cessent de surprendre. Que pensez-vous de la tournure des événements? N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes palpitants. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde passionnant de nos séries préférées.